Alors, comme annoncé au début de ma présentation sur le module 6, la deuxième partie du module portera sur la boîte à outils de planification et de production de rapports intégrés appelée IPRT. Nous allons présenter ce que c'est que l'IPRT, les cadres de développement durable. Nous verrons pourquoi l'IPRT a été développé et nous ferons des comparaisons entre les outils existants. Nous verrons les justificatifs de nouveaux outils de planification et enfin les questions que l'on pourrait se poser. Alors, qu'est-ce que la boîte à outils de planification et de production de rapports, l'IPRT? C'est un outil qui facilite l'alignement ou l'intégration des agendas 2030 et 2063 au niveau des objectifs, des cibles et des indicateurs. On parle ici d'un alignement horizontal. L'IPRT permet simultanément d'évaluer l'alignement des PND aux deux agendas, ce qui correspond à l'alignement vertical. L'IPRT fournit une base pour un appui en cas de renforcement de capacité, par exemple. Elle fait le rapport sur la situation de l'intégration des deux agendas dans les PND et elle permet également d'identifier les raisons de non-intégration. L'IPRT aide à la production des rapports en aidant à examiner les progrès accomplis. L'IPRT contribue aux examens nationaux volontaires pour le forum politique de haut niveau. Elle permet également d'évaluer le degré d'alignement par secteur et dimension et de visualiser les aspects importants du processus d'alignement. Elle sert aussi à traquer les performances des PND et à évaluer les écarts entre la performance réelle et les cibles. Pour ce qui concerne les cadres de développement durable, nous savons que les États membres sont signataires de plusieurs agendas de développement qu'ils doivent mettre en œuvre de façon simultanée. Et à l'ère du développement durable, il est important d'avoir une nouvelle génération de plans de développement qui doivent être résilients, inclusifs et cohérents, c'est-à-dire à la fois vertical et horizontal. Alors, pourquoi la boîte à outils IPRT? L'IPRT sert à évaluer la cohérence horizontale en identifiant les interconnexions entre les ODD et l'agenda 2063. Elle fait également une cohérence verticale en évaluant l'alignement entre les agendas mondiaux, continentaux et les priorités nationales et locales. Elle aide à établir une cohérence interne et à comprendre si les objectifs, les cibles et les indicateurs du PND sont interconnectés et se renforcent mutuellement. Elle sert à une hiérarchisation et séquençage dans l'exercice en essayant d'apporter des réponses. Où est-ce que les interventions catalytiques peuvent-elles avoir le plus d'impact? Toutes ces interventions n'ont pas le même impact cependant. En termes de comparaison entre l'IPRT et les outils existants, nous allons mettre en comparaison ici l'IPRT et l'outil d'évaluation rapide intégrée et l'approche MAT, intégration, accélération et appui aux politiques. Alors, ici, nous pouvons dire que l'outil d'évaluation rapide intégrée, l'IA, et l'approche MAT intègrent tous les deux
l'agenda 2030. Cependant, ces outils ne sont pas automatisés, ils ne font pas le suivi des performances, ils n'intègrent pas l'agenda 2063, ils ne présentent pas non plus de tableau de bord intelligent ou une visualisation des données et ils ne génèrent pas de rapport. Et pourtant, l'IPRT de la CEIA est non seulement automatisée, elle permet aussi de faire le suivi des performances, elle intègre l'agenda 2030 et l'agenda 2063 et elle présente des tableaux de bord intelligents et une visualisation des données. Et cet outil aide également à générer des rapports. Quelle justification pour un nouvel outil de planification? Les approches et outils traditionnels de planification sont inadéquats pour concevoir des plans de développement résilients et inclusifs, d'où la nécessité de nouvelles approches et nouveaux outils de planification qui prennent en compte les accords continentaux et mondiaux. Il faut aussi savoir que la conférence des ministres de 2016, communément appelée COM, a exhorté la CEIA et l'Union africaine à développer un outil qui aide à aligner les agendas de développement au niveau national et local. Donc, ces aspects sont les raisons pour lesquelles cet outil, l'IPRT, a été développé. Les questions que l'on pourrait se poser à ce niveau sont: est-ce que les agendas continentaux et mondiaux se rejoignent? On pourrait aussi vouloir comprendre comment ces agendas peuvent être intégrés dans les cadres nationaux de développement et harmoniser les rapports d'avancement. Comment les pays peuvent-ils tirer parti des synergies entre les initiatives de développement mondial, continental et national? Ces questions peuvent être abordées par une intégration cohérente des multiples agendas de développement dans les cadres nationaux de développement. Alors, la logique de l'IPRT, de la CER, est d'abord au centre. La question qui se pose est de savoir est-ce que les ODD et l'agenda 2063 sont intégrés au PND. Maintenant, si oui, alors on serait tenté de se demander à quel niveau. Si cet alignement est fait de façon partielle, on se poserait des questions sur les raisons et pourquoi. Et les raisons qu'on pourrait énumérer se feront au niveau des objectifs, des cibles, des indicateurs correspondants. Si la réponse est totalement, si cet alignement se fait de façon totale, alors nous pourrons procéder à l'énumération des objectifs, des cibles, des indicateurs correspondants et passer à l'objectif, à la cible ou à l'indicateur suivant. Maintenant, si la réponse à cette interrogation, qui est de savoir si les agendas sont intégrés au plan national de développement, est non, alors on se demanderait pourquoi, quelles sont les raisons, et on passerait à l'objectif, la cible ou l'indicateur suivant. En conclusion, il faut dire que la boîte à outils IPRT est flexible et a de multiples avantages. Il faut noter que l'IPRT permet d'intégrer de multiples agendas de développement dans les PND au niveau des objectifs, des cibles et indicateurs, ainsi que par secteur et dimension de durabilité. Il faut aussi retenir que l'IPRT aide au suivi des progrès vers la réalisation des ODD et de l'agenda 2063. L'IPRT aide également à générer des rapports harmonisés sur le degré d'alignement. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site qui est indiqué
sur cette page, au bas de cette page. Je vous remercie.